Annick Benâtre. Madame le maire, chers collègues, s'il en était besoin, le rapport d'activité 2018 du CCAS atteste du bien fondé de l'action générale de prévention et de développement social qu'il conduit en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Le CCAS de Nantes constitue l'outil privilégié de la ville pour répondre aux besoins sociaux des Nantaises et Nantais les plus fragiles, les plus vulnérables. Lutter contre les processus de précarisation et d'isolement, agir sur les leviers favorisant l'inclusion et s'adapter à un contexte en constante évolution, telles sont ses missions. Qu'il s'agisse de l'inclusion sociale avec le soutien aux démarches numériques, du parcours des aînés avec le réseau social Ensemble ou des ressources mobilisées, force est de constater que les besoins vont grandissant. 60 millions d'euros pour le budget principal et ses annexes, en lieu et place des 47 millions en 2017. 34 683 repas servis au restaurant social Pierre Landais, plus 9,4%. 9 086 aides financières attribuées, plus 9%. 49 070 passages sur l'ensemble des sites, soit 1341 de plus que l'an passé. Cette situation est sans nul doute liée à la situation de l'emploi, avec un nombre de salariés privés d'emploi qui reste important malgré la baisse. Il génère une évolution négative du chômage longue durée, ce qui conduit à ce qu'il y ait près de 28 000 allocataires du RSA et plus de 11 000 chômeurs qui arrivent en fin de droit. Ces indicateurs permettent de mesurer combien cette situation fait grandir les besoins sociaux dans notre ville, besoins qui justifient toutes les actions recensées. Ce rapport annuel atteste notre engagement volontariste dans l'accompagnement individuel qui vise à prévenir les situations de précarité et leur détérioration, à faciliter l'autonomie des usagers et contribuer à leur intégration sociale dans les divers champs de leur vie quotidienne. Nous voulons poursuivre et amplifier nos actions pour de nouvelles réponses sociales et territoriales en luttant contre les phénomènes de non-recours et de disqualification sociale. Enfin, avec ce bilan 2018, je ne peux passer sous silence la situation exceptionnelle et sans précédent que nous avons connue avec les 700 migrants qui survivaient dans le campement du Square d'Avieille que nous avons mis à l'abri. La ville, avec les associations qui s'engagent auprès de ces migrants, ont marqué leur solidarité aux migrants en apportant des réponses concrètes avec la création de places d'accueil supplémentaires, de tickets de transport, de repas chauds, avec la mobilisation du personnel municipal comme au bain-douche, au CCAS et avec les travailleurs sociaux. Nous avions alors constaté combien la politique du gouvernement, niant les droits humains les plus élémentaires, avait délégué aux collectivités locales la gestion des situations issues des crises migratoires. Parce que notre solidarité aux migrants reste entière, parce que les problématiques posées ne sont pas réglées, nous ne voulons rien lâcher, tant sur le fond que sur la forme. Encore une fois, rappelons qu'il revient à l'État d'assumer ses responsabilités dans le cadre de ses compétences en matière de politique d'asile. Il lui revient de gérer la prise en charge des demandeurs, la prise en charge de l'hébergement, l'accompagnement administratif et social, les soins médicaux et le versement d'une allocation qui permette aux demandeurs de subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires. Au moment du vote d'un budget contraint par la volonté de l'État, il est utile de rappeler chacun à ses devoirs, à ses obligations. Je vous remercie de votre attention.